n'a pas continué. C'est l'important. National des marchés publics. Et moi-même, dis-nous son bataille que moi engagé là-dedans et son véritable responsabilité. Il y a un objectif émission ça jeudi, hein, c'est pour me permettre de comprendre que côtoyer de 2020, pays l'a crasé, brisé manifestation hein, à 2024, 4 ans, côtoyer. Ou même qui t'a boulé caoutchouc dans Port-au-Prince pour une opposition politique SDP en 2020, 18 mai. Le Jovenel Moïse t'a fait déclaration ça, qu'on se tendait là tout à l'heure. 2024, côtoyer, côtoyer à vivre. Est-ce qu'on toujours habite Delma 2? Est-ce qu'on toujours habite à vivre Delma 4 là? Est-ce qu'on toujours marche la Saline là? Est-ce qu'on toujours marche en bas la ville là? 4 ans après, côtoyer. Pas prendre ça, yo. Mal prendre comme leçon pour dire que Mbappé Jam quitte vagabond, voyou. Utiliser mon corps en politique pour que yo menem là on pas quitter yo menem là il faut qu'on camper pour bataille parce que c'est dans bataille vraie bataille ça qui n'a mené là n'a capable libérer pays pour tout bon. Je dis encore une fois m'a dit demain si Dieu veut cap dimanche là c'est à 19 mai 2024 c'est à élection dominicaine élection présidentielle puis gros élection son journée électorale dans 15 derniers jours yo données politiques ont changé en Dominicani. Bon, elle fait notre président Jovenel Moïse sur l'écran, mais puis maintenant, il fait ajouter ça. Tout haïtien qui vit en Dominicani, demain si Dieu veut, m'a demandé nous, prends précaution. Pas prendre la route demain si Dieu veut. Sous un business, pas ouvrir demain si Dieu veut. Son journée électorale, si que, ta gon bagay ki, ou les gens le bralé là, bon côté ancien président, Leonel Fernandez et que s'il d'arrivé remporter l'élection ou même comme haïtien qui est dominicani bagala pral fatal pour vous parce que parti Zami Danel yo pari pour faire des ordres et yo pas pari pour yo jouer une défaite ça qu'arrivé et m'est capable dire non pendant 9 derniers mois yo Abinadel était toujours dans toute tête sondage qui fait yo j'étais bien placé. Et M. était mieux placé pour que l'été arrive remporter l'élection. Maintenant, 15 derniers jours, là, en Dominicani, données politiques ont changé. Ancien président Leonel Fernandez font remonter. Il gagne une quantité de territoire, avec l'électoral, sous Luis Abinadel. Paysan en 4 points frontaliers, qui que Abinadel te fait fermer, que le dit c'est Ariel qui demande de fermer. Tout paysan ça a dit que yo pas voter Abinadel parce que Abinadel te fait une bataille. Alors, et tout. Et produit que vous avez gagné, vous avez convenu avec Haïti, vous avez gaspillé, vous avez décapitalisé dans ce sens-là, vous n'avez pas prolongé mission mandat pour 4 ans encore. Vous n'avez pas fait monsieur confiance. Eh bien, ça vient de faire que, c'est par rapport avec le dernier discours que le président, ancien président Leonel Fernandez a gagné, et que la population a senti que, à travers le discours, monsieur, eh bien, il y a une possibilité pour fonctionner. Eh bien, naturellement, et ça qui passe là, c'est que, paysans ont décidé pour voter ancien président ça veut mettre en panique totale bon côté et président actuel là qui c'est candidat tout OK dans élection qu'a fait demain yo son journée électorale cap belle en pile en Dominicani mais sauf que me garantis non l'aime dit non partisan Abinadel pas pari pour accepter défaite là c'est pas que yo pari pour faire violence yo pas annoncé violence mais sauf que tout le monde connaît que il y a des zones et par exemple dans ghetto toujours il y a quelques des zones. Mais dans ce sens, ça m'a tout profité pour demander à ICMIO, qui est en Dominicani, d'être très très vigilant parce que nous connaissons pour les victimes. Non? Pardon. Pour les victimes, non, c'est nous-mêmes. Et m'a demandé nos précautions au maximum. Faut que nous bataillons, faut que nous campions, faut que nous résistions pour une bataille pour nous permettre que le pays soit capable de sortir l'entrée difficile qu'elle trouve là. Président Jovenel Moïse, continuez à parler avec le pays. Parce que Pepo, je dis à son grand jour pour yo tande ou, pour yo gade ou, comme ancien chef d'État yo, qui n'a yo mangé. Mais ou rete vivant parmi nous, par rapport avec ça côté qu'on a dit, parole côté qu'on a parlé, action qu'on a posé, ou rete vivant parmi nous. Et chaque sorte qu'on a dit yo, je dis à nous yo. Contre toute sorte qu'on a bataille qui cause tout yo là, je dis à nous yo, devant nous. Tout monsieur met tête ensemble, président. Yo pas de yo encore non? Système n'a pas divisé encore non? Yo tout nèg met tête ensemble. C'est au même métier besoin touyer les Guy Philippe Rivière Guy Philippe forcer toute nèg mettre tête ensemble pour que yo capable camper pour résister pour défendre système yo mais peuple pas connait perdre bataille tout le monde connaît
la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et à travers grand maître là, n'a pas gain bataille quand même. Président Jovenel Moïse. Mesdames, messieurs les représentants d'organisations internationales, messieurs les représentants de la police nationale d'Haïti, mesdames, messieurs les représentants d'organisations de la société civile, mesdames, messieurs les panélistes, mesdames, messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée. Je me réjouis de lancer les travaux de cette cinquième journée de l'économie sous le thème Constitution et élection pour une bonne gouvernance. Ce thème est à la fois déterminant et crucial pour le pays, car le contexte actuel est marqué par un débat constant sur la tenue des élections et les difficultés que pose l'application de la Constitution de 1987. D'ailleurs, pendant toute ma campagne électorale, je disais chaque jour que la stabilité politique est le premier, des biens publics. Des biens publics. Et il ne peut pas, il ne pourra pas en aucune façon avoir de stabilité politique sans de bonnes élections dans le pays. Jamais. Je tiens à vous rappeler que les élections constituent la seule et unique voie à suivre pour renouveler le personnel politique, améliorer la gouvernance économique et garantir la stabilité politique au profit de l'intérêt général. La gouvernance économique qui est en débat ce matin fait référence au mode de gestion de l'État à travers ses institutions et les mécanismes de régulation pour mieux piloter les politiques économiques. Je veux parler de fiscalité, budget, politique monétaire et commerciale. Et pour assurer leur impact réel sur le développement socio-économique. Conscient d'un tel enjeu, j'ai instruit d'organiser cette journée gouvernementale en vue d'offrir un espace de dialogue, de discussion et d'échange avec les acteurs concernés par la question de la Constitution et des élections pour apporter les réponses viables pour une transformation émancipatrice du système politique national. Mesdames, messieurs, depuis la campagne présidentielle jusqu'à mon accession au pouvoir le 7 février 2017, j'ai prôné une transformation de l'appareil étatique et une meilleure participation des citoyens dans la gouvernance du pays. C'est en ce sens que j'ai fait de la réforme de l'État un axe majeur de mon programme politique et que j'ai pris la décision d'organiser dès mon arrivée au pouvoir, les États généraux sectoriels de la nation, je savais pertinemment qu'avec de telles ambitions, les blocages et les obstacles viendraient de toutes parts obstruer la voie du changement et du progrès. Le changement, c'est un mot qui fait peur. Le statu quo, c'est ce que certaines fois, je dirais, des élites de ce pays ont décidé d'appliquer. Mais malheureusement, ce temps est révolu. Nous sommes arrivés à un carrefour de l'histoire de ce pays où nous devons dire la vérité, nous regarder l'un l'autre dans les yeux. Oui, il faut dire la vérité. Nous ne pouvons plus mentir à ce peuple. Claire. Ce peuple qui a passé, je dirais, plus de 2 siècles à souffrir, où les élites de ce pays ont décidé de son avenir, ont décidé de sa transformation, aujourd'hui le moment est venu de dire la vérité crue à ce peuple. Un pays où tous nos indicateurs sont en rouge, et pourtant, Haïti reçoit des milliards de dollars, je dirais, et nous dépensons beaucoup d'argent dans
différentes réformes. Réforme dans le secteur de l'énergie, réforme dans l'éducation, réforme dans la santé, réforme dans l'environnement. Et pourtant, nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Le peuple demande une réponse à ces questions. Le peuple veut savoir pourquoi nous ne pouvons pas nous mettre ensemble, nous autres Haïtiens, pour, je ne veux pas dire redémarrer, mais pour démarrer ce pays. Parce que de la mort de Dessalines jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre entre nous. Sur le plan politique, comment parler des partisans du chaos, je dirais, parce que pour moi, il y a des gens qui, des maîtres nageurs en Haïti qui nagent souvent dans des eaux troublées, qui n'aiment pas nager dans de l'eau claire. Et cette eau troublée, soutient toujours l'instabilité à travers des manifestations violentes répétées auxquelles s'ajoute, comme vous le savez tous, le phénomène de pays loc qui a décapitalisé surtout les petites et moyennes entreprises, les véritables moteurs de l'économie nationale. Ces fauteurs de troubles ont fait le choix d'attisser la violence politique plutôt que d'opter pour un dialogue entre fils et filles d'une même nation pour favoriser la bonne gouvernance et faire triompher la cohésion nationale. Il convient de noter également la dégradation du climat sécuritaire qui entrave la libre circulation des personnes, des biens et services avec l'amplification des gangs armés. Pourquoi faire de la politique? Je suis à la tête de ce pays aujourd'hui, je me pose la question premièrement. Je pense que la politique, si quelqu'un décide de le faire, c'est pour servir. Pour servir les gens, pour servir le peuple. Et ceux qui sont riches et ceux qui sont pauvres. Et ceux qui vivent à la campagne et ceux qui vivent dans les grandes villes. Et pourtant, il y a des gens qui considèrent la politique comme une ascension sociale. La politique n'est pas une ascension sociale. Ce problème nous donne ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous avons des gens qui font de la politique, mais qui sont en panne d'inspiration. Parce que quand vous avez un discours, et ce discours ne peut pas, vous ne pouvez pas l'innover, à ce moment-là, vous n'avez pas la capacité de mobiliser, de plus mobiliser les foules. Et quand vous n'avez pas cette capacité, vous passez directement à la violence. Claire. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le pays. Et ça n'est que décidé vers. Le pouvoir vient du peuple. Si vous voulez diriger le peuple, il faut avoir l'aval du peuple. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas le diriger. Si vous êtes contre les élections, vous êtes contre la démocratie. Les élections, c'est le seul moyen pour avoir le pouvoir. Vous ne pouvez pas diriger un peuple avec la terreur. Ce temps est révolu. Vous ne pouvez pas diriger un peuple avec la violence et l'intimidation. Ce temps-là est révolu. Mais, malheureusement, il y a des gens qui pensent que la règle pour diriger le pays, c'est la transition. Les élections
sont considérés comme l'exception, la règle. Mais les inconditionnels de la transition, vous voyez qu'est-ce qui se passe maintenant dans le pays. Un système de kidnapping téléguidé, dans l'unique objectif de provoquer l'exaspération de la population par la peur, la violence et l'intimidation. Mais c'est sans compter sur l'intelligence du peuple qui ne se fera jamais complice de ces sales et honteuses manœuvres de déstabilisation. Sur le plan institutionnel, l'appareil administratif et les institutions portent la marque des pratiques de corruption, de trafic d'influence et de captation des ressources publiques au profit des intérêts particuliers. Ces pratiques constituent un énorme frein à la bonne gouvernance économique. De plus, les autres pouvoirs publics ont fait du marchandage et du blocage institutionnel un outil politique pour parvenir à des fins partisanes non profitables au bien-être de la population. Vous êtes tous ici présents, témoins des difficultés qui entourent le choix d'un premier ministre et des membres d'un gouvernement, ainsi que tous les autres dossiers vitaux pour la nation, par exemple l'électrification du pays, pour lesquels nous avons cherché vainement l'adhésion et la cohésion de l'ensemble des pouvoirs de l'État. L'État est fait pour servir, mais malheureusement, en Haïti, avec l'avènement de l'ère démocratique, avec cette nouvelle constitution de 1987, nous avons mis sur pied malheureusement un État prédateur, un État sensu. C'est cet État que je dirige aujourd'hui. Et vous êtes ici ministre, premier ministre, vous faites partie de cet État. Vous devez vous mettre ensemble pour changer cet État. C'est un État pourri. C'est un État qui est entre les mains d'une oligarchie corrompue qui est en train de nous donner ce que nous avons aujourd'hui. Un pays divisé. Un pays appauvri. Un pays où ceux qui vivent dans les régions, ceux qui vivent très loin de Port-au-Prince ou bien très loin des grandes villes, pensent qu'ils ne sont pas des Haïtiens comme nous. Et pourtant, ils sont des Haïtiens. Ils n'ont pas de route, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'hôpitaux, ils n'ont pas d'école, ils n'ont pas d'accès aux services publics. Et pourtant, ce sont des Haïtiens comme nous. Nous sommes des ministres pour ces gens-là aussi. Je suis le président de tous ces Haïtiens aussi. Le premier ministre est le premier ministre de tous ces Haïtiens. Le gouverneur de la Banque centrale, il est le gouverneur de la Banque centrale de tous ces Haïtiens. Et pourtant, ils ne sont pas des Haïtiens parce qu'ils n'ont pas de droit. Et c'est pour ces gens-là que moi-même je parle, depuis ma campagne électorale jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai dit haut et fort que les choses doivent être changées. C'est triste de voir qu'aujourd'hui encore, il y a des gens, des septagénaires, des octogénaires, qui parlent de la transition, qui pensent qu'ils peuvent, en fait, continuer à garder ce pays dans cette situation délétère. Mais malheureusement, il y a une génération, cette génération dont je fais partie, qui dit non aujourd'hui. Nous sommes courageux pour dire que vous avez dirigé ce pays d'une très mauvaise manière pendant les 30, les 50, les 60 dernières années. Nous disons non aujourd'hui. Et nous sommes prêts à nous asseoir avec vous parce que vous êtes nos aînés. Mais vous devez savoir que juché sur les épaules de nos aînés, nous pouvons voir plus loin qu'eux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à la tête de ce pays, nous sommes prêts à parler, à discuter à tout le monde. Mais nous ne croyons pas dans des solutions cosmétiques
des solutions que nous pouvons considérer comme des bouillons réchauffés, ces solutions qu'on cherche à nous imposer depuis les 34 dernières années, aujourd'hui, nous autres à la tête de ce pays, nous disons non. Nous voulons de l'innovation. Nous voulons des solutions qui vont en fait aider les populations des zones les reculées à sortir de la misère, de la crasse. Ce sont ces solutions que nous voulons aujourd'hui. Nous voulons des solutions pour transformer l'État, cet État prédateur, en un État serviteur. Ce sont ces solutions que nous voulons aujourd'hui. Et nous ne voulons pas vous laisser derrière. Nous voulons, avec vous, fils et filles de ce pays, bâtir ce pays, avoir des solutions applicables pour laisser un pays meilleur pour les générations futures, comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui dans l'électrification, le projet d'électrification nationale que nous avons aujourd'hui. Sur le plan économique, il a été planifié de créer un chaos économique et financier afin de pousser la population à rejoindre un mouvement politique séditieux et subversif, démarré le 6-7 juillet 2018. La monnaie nationale, à savoir la goutte, a été l'objet d'attaques récurrentes. La spéculation s'est établie en règle au détriment de l'intermédiation financière, considérée comme la mission centrale des institutions financières. Celles-ci semblent bâtir leur plan d'affaires sur la dévaluation de la goutte. Oui. Dévaloriser, réduire goudla, faire goudla sans valeur. Au pouvoir, le taux d'échange était de 69 goudas haïtiens pour un dollar américain. Au mois d'octobre 2018, soit un an plus tard, le taux d'échange est passé de 69 goudas à 93 goudes pour un dollar américain. De mars à août 2020, le taux d'échange est passé de 97 goudes 7 à 121 goudes 17 pour un dollar américain, soit une hausse de 24%. Edouard Boussan, Calboaon, Gilbert Bidjo, et comment le chef Abdallah, et Nexayo. Mesdames, Messieurs, les grandes décisions économiques que j'ai prises ont bouleversé les intérêts de groupes puissants. Oui, ça fait autant. Qui ont alimenté le désordre et l'instabilité politique. Ces blocages et attaques que je viens de rappeler ont eu pour principal objectif de précipiter la chute de mon administration et d'ouvrir la voie à la transition. La transition est, depuis de nombreuses années, le modèle politique de certains acteurs qui ont horreur des élections, qui ont peur des élections, qui ne veulent pas de l'élection dans le pays. Ils contestent systématiquement les résultats des élections par la violence. Oui, depuis le Pacagéen. C'est pour ça aujourd'hui. Le conseil électoral qui est là parmi nous. Je l'ai dit, je suis une victime. Je veux que les résultats partiels des élections soient connus le soir même, des élections. Oui. Même Jean Dominicain. Même Jean Dominicain. Et ça doit faire partie du décret électoral que je vais signer. Parce que les élections que nous devons en fait considérer comme la règle, est considérée comme l'exception dans le pays. Ce n'est pas possible. Nous devons laisser un pays meilleur pour les générations futures. Pour faire face à ces blocages de toutes sortes et soutenir la bonne gouvernance économique, mon administration a réalisé des actions de grandes envergures, comme le pacte de gouvernance économique et financière signé le 23 juin 2020 entre le ministère de l'économie et des finances et la Banque centrale, visant à limiter les incidences de la situation des finances publiques sous la conduite de la politique monétaire. La stabilisation du taux de change comme résultat de diverses concertations entre les acteurs économiques et les opérateurs financiers et l'adoption du mémorandum d'accord conclu entre le gouvernement haïtien et la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti et les associations patronales.
La décision du gouvernement de pratiquer le cash management pour éviter de recourir au financement monétaire des déficits budgétaires et l'arrêté du 30 août 2020, fixant la date de clôture anticipée des engagements de l'exercice fiscal 2019-2020. La création, la mise en place du conseil d'administration et le lancement de la Banque nationale de développement agricole, BNDA, dont la mission est d'accroître l'offre de l'agriculture par le financement des exploitants et des projets agricoles. La mise en place du conseil d'administration de la Banque populaire haïtienne, la réforme dans le secteur de l'énergie, l'allègement du processus et des procédures de passation des marchés publics favorisant une meilleure efficacité dans la mise en œuvre des travaux, la redynamisation des institutions de contrôle comme l'IGF, l'ULCC et l'UCREF, la mise en œuvre des programmes tels que le programme d'appui à l'entrepreneuriat jeunesse, favorisant l'entrepreneuriat, l'accès au crédit et la création de richesses indispensables au développement économique. De plus, mon administration a adopté deux documents stratégiques majeurs. Le programme de modernisation de l'État, PME 2023, dont l'un des piliers repose sur la réforme des finances publiques et de la gouvernance économique. Deuxièmement, le plan de relance économique post-COVID-19, pré-POC 2020-2023, dont certains piliers sont consacrés à la diversification de l'économie et au soutien des PME pouvant garantir une croissance économique solide. À ce titre, je tiens à féliciter le Premier ministre et son équipe gouvernementale pour avoir pris les mesures appropriées et les actions adéquates dans l'intérêt de la bonne gouvernance. Mesdames, Messieurs, en devenant président de la République, j'ai trouvé un État faible, incapable d'administrer son territoire, de réguler le système économique et financier marqué par une logique pesée sous ses. J'ai trouvé un faible niveau de cohérence entre les actions du pouvoir central et celles des autorités locales, un déséquilibre entre les pouvoirs publics, la difficulté d'application de la Constitution et une obsession de négation des élections pour conquérir le pouvoir par la transition. La réalisation de cette journée tombe à point et je souscris au diagnostic qui met en évidence les fondements constitutionnels et électoraux des problèmes de bonne gouvernance économique, à savoir les défaillances dans l'orientation globale, la planification et le pilotage des politiques économiques, la multiplication des risques de conflits entre l'exécutif et le pouvoir législatif, résultant d'un déséquilibre dans la répartition des pouvoirs de l'État, la faiblesse des dispositifs d'harmonisation entre l'État et les collectivités territoriales, la situation de conflit permanent entre le président de la République et le Premier ministre, le vide institutionnel récurrent causé par la tenue irrégulière des élections. Nous sommes aujourd'hui à un tournant historique qui nous interpelle à réexaminer profondément le système politique et à faire les choix qui s'imposent pour une meilleure gouvernance, et ceci à tous les niveaux. J'invite les acteurs politiques, les groupes organisés de la société civile et chaque citoyen à s'engager dans le respect du jeu démocratique qui mettra le pays sur la voie de la transformation et du changement réel. C'est la responsabilité de chaque citoyenne, de chaque citoyen, de faire preuve de dépassement pour prioriser l'attachement à la sauvegarde de la nation, à la sauvegarde de la souveraineté nationale. Peuple haïtien, frère Maxime, yo. Haïtiens qui vivent dans quatre coins du pays, monde qui vivent dans BDN, dans Tibiron, dans les Ivoires, monde qui vivent dans Grand Gosier, dans Sapit, monde qui vivent dans Cognon Grand Bois, monde qui vivent dans Bois de l'Ouest, Sylvestre, monde organisé, monde qui vivent dans diaspora, ça qui vivent en France, aux États-Unis, au Canada, monde haïtiens qui vivent dans Guyane, dans la République dominicaine,
dans Chili. Mener le pays à ce chemin de développement, c'est une volonté. Je ne vais pas suspendre, manifester nos soucis pour arriver à transformer la vie de chaque Haïtien et chaque Haïtienne. Volonté PAM, d'ailleurs, c'est lui qui fait que dans pile turbulence, en pile problème, et en pile bagaille parfois que je paye, ces décisions que je prends pour me mettre l'État dans le service peuple. Volonté PAM, c'est combattre force fait noir qui veut quimber l'État en otage. Volonté PAM, c'est être griffe moun qui comprennent que l'État c'est yo, que l'État c'est pour yo, sur l'État. Tout ça, c'est une façon pour me dire nous, pas qu'à gagner bonne gouvernance économique sans nous pas m'accorder à une bonne gouvernance politique. Dans ce sens, ça, référendum sous constitution à élection, c'est deux plus gros outils peuple a gagné en main pour décider qui j'en veux pour payer l'organiser. Qui m'a de l'état livré et qui bénéfice les rejoignent pour tête pâle, pour petit li et petit petit li. Comment pour comprendre qu'on peuple les bagnes droit pour dire comment il veut pour les diriger, pour le diriger lui-même? Comment pour comprendre en dame, en constitution, il met le peuple là-dedans là-dedans? Comment pour comprendre en constitution un groupe monde qui est le diaspora qui met le peuple là-dedans? C'est le peuple qui doit décider pour dire mais qui est livré pour venir diriger. Pouvoir pas prendre un petit passe-coute. Pouvoir pas prendre un amitié. Nous-mêmes, nous pas un petit passe-coute. Nous pas un amitié pour pouvoir peuple là. Pouvoir prendre élection. C'est le peuple qui peut bailler pouvoir et c'est lui qui peut choisir le monde qui lui fait confiance. C'est le peuple qui doit mettre destin. C'est lui qui doit mettre destin dans le choix de faire. Ce n'est pas personne. Nous-mêmes, nous croyons dans faire démocratie triompher. Nous croyons dans l'alternance politique, dans l'équilibre pouvoir public. Nous croyons dans l'élection. Moi-même, moi là, je vais aller. L'homme va aller, le monde qui vient, c'est le peuple qui dit que le monde est. Ce n'est pas gros ennemi dans votre prince. Ni gros ennemi politique, ni gros ennemi économique. Nous avons un grand gros ennemi. Peuple haïtien. Je vais gouverner pour me tourner le pouvoir à Bali, pour lui-même le choisir, le monde qui vous dirige. Et j'aime quand on est pouvoir à Bali, c'est dans élection. C'est là, on est qui le dirige le pays, sous tape fond rêve, réveillez-vous. Transition finie. Bye bye, mon soko. Ça finit net. Pas rien ça encore, parce que Farine n'a pas vu dans le même sac là. Pas rien pression, on va venir parler de Kozak président, dans les oreilles, quoi. Il y a un problème. Seul problème qui vient aujourd'hui, c'est un problème élection. Avec dit tout le monde, chaque pas une botte à l'acheter, mettez une botte, montez dans le monde. Faites campagne. Fais formation pour. Nous connaissons un pile de monde dans le pays qui va connaître lui, fais formation pour eux. Pour vous comprendre, ou même discours qui sont les vannes, sont les dire qu'on gagne pour vous dans le coutou. C'est ça, je vous dis, pour rien pour faire. Mais si c'est dans la durée toujours, on va toujours faire 1% dans l'élection, 0,50%. Après, c'est voler, voler l'élection en amour. C'est pour ça. Après, vous avez l'élection, vous n'avez pas de temps de boule caoutchouc, le résultat, c'est pour vous qu'on est même le soir. Pour tout le monde qui perdit, qu'on est perdu, ça gagne qu'on est rien. Il est difficile pour un monde qui a fait politique de comprendre que
gen retraite dans toute bagaille. Bon moment arrivé même sur non job bon l'arrivée c'est pour voilà retraite. Ça veut dire l'état me quoi ta retraite là c'est 25 ans c'est ça? Après 25 ans qu'on fait dans fonction publique là ou dans retraite. Même dans politique là tout faut une retraite. Faut une retraite dans politique. Faut une retraite pour la jeunesse venir on y a les mêmes les une pour place li, pour venir faire politique parce que politique j'en nous dit moi-même pendant 4 ans expérience que me fait là moi comprendre que politique fait pour servir monde c'est pour ça tout pendant président machine dans tout pays là m'a servi monde prendre décision mettre lui dans dernier côté dans pays là ça c'est les mêmes nous connaît qui ça te fait qui quantité du fait qu'elle mettait dans pays là. Mais pas oublier, peuple là. J'ai un saut de cléo là. Je saute cléo avec gros caoutchouc, gros lumière, du feu. Je vais le cléo avec électricité, avec bon courant. Parce que lumière, ça, au saut de bas, voilà, son lumière qui détruit, ou son lumière qui boule à faire, ou son lumière crasée, brisée. C'est pas dans la lumière, ça, on me quitter. Et c'est pour ça, tout le monde qui a besoin de pouvoir, je vous dis là, c'est pour aller dans l'élection. Pour venir dire que nous-mêmes, je dis à commencer dans l'affaire électricité, pour venir dire à Jacques Coutelou comment on va continuer. Parce que nous avons quitté un document qui peut montrer toute réforme électricité, pas à pas, nous avons parce que nous avons quitté un document pour nous dire réforme électricité entre 2020 et 2030, mais comment vous le faites. Pour tout le monde suivre, ça veut dire que vous venez pour un pouvoir. Je dis à nous commencer l'humain, nous dit c'est. Dans une série de zones, c'est diesel, c'est solaire. Dans le document, il y a l'exploitation d'énergie éolienne, il y a l'exploitation de biomasse. Ça veut dire qu'il y a une date tout qui est pour vous faire. Ça veut dire que c'est ça aujourd'hui à vous faire. On nous construit ensemble. On nous suspend de détruire. On a détruit ensemble trop longtemps. Et c'est ça qui mettait nous là aujourd'hui, qui fait nous gagner respect, notre peuple sur la terre. Nous sommes le premier peuple noir indépendant. Dans le gourmet, on a l'autre. Nous sommes pour pouvoir, nous sommes pour ne pas coûte, nous sommes pour nous toujours là. Parce que nous ne pouvons pas parler encore. C'est pour d'accord, le temps pour la finir, parce que le génie n'a qu'un siècle. Le temps pour la finir, c'est un pas en l'autre. Qui vient, c'est pour voir que l'eau que table a desservi, c'est pour retirer quoi. Ou bien l'autre équipe, l'autre groupe monde, ou bien la jeunesse place. Pour eux-mêmes, pour être capable de mener notre pays à côté que nous devons mener. Nous avons songé, l'homme fait que mon président mette sous pied un gros comité. Je voulais parler de groupe monde qui travaille sur l'état général sectoriel. Là, nous fouillons, j'ai gardé le rapport comité pilotage avec le secrétariat technique état général sectoriel nation. Sous affaire gouvernance politique, dans ce qui concerne l'élection à la constitution, il dit à clair, constitution 1987, là, c'est une source d'instabilité politique qui empêchait l'État de faire bon genre de développement et puis assurer une bonne gouvernance économique. On prend l'exemple. Diaspora a participé dans l'activité économique du pays. Nous voulons passer plus passer 3,5 milliards de dollars dans le pays chaque année. Et pourtant, Diaspora n'a pas participé dans rien. Voilà, ça veut dire que son seul rendez-vous qui est avec Diaspora Haïtienne. 3,5 milliards de dollars américains chaque année, ou bien 3,2 milliards de dollars américains chaque année, et puis automatiquement, vous parlez des affaires élections, Diaspora a une double nationalité. Ça veut dire que son kidnapping ou pas à distance. Sous quelque soit forme, il n'y a pas besoin. Et après ça, que y a fait dans le pays là, 9 personnes réunies derrière 9 téléphones, il y a fait ça à faire. Est-ce qu'ils ont invité ou même comme diaspora? Du tout. Mais par conséquent, chaque année, il y a un bilan là, j'ai rentré les gens qui supportent Haïti, diaspora haïtienne. Mais dans sa fait politique, dans sa fait développement, commerce, m'a bon menti, diaspora haïtienne, ou te gete double nationalité, il n'y a pas besoin. Ça veut dire que ça est extrêmement important. Ça cause moi toujours dit nous, il faut que nous kembe et j'en des déclarations ça yo. Et avant ça, le président Jovenel Moïse t'a fait, yo, peut-être que vous-même, comme haïtien, vous ne comprenez pas. Même si okay, avec nous-mêmes, qui prend responsabilité nous avec les médias en l'élan, nous facilitons de comprendre. Et c'est pour ça que le président assassiné. Et ça cause moi toujours que Jovenel Moïse est sacrifié pour la République.
peut-être faut qu'il te passe dans façon de passer là pour que nous-mêmes nous soyons capables de comprendre la réalité dans façon de comprendre là. Et pour messieurs capables de vivre au niveau côté que vous trouvez dans l'obligation pour que vous mettez tête ensemble pour vous-même comme peuple pour faciliter qui gagne dans cadre de bataille définitivement pour libérer le pays là. Parce que j'aime toujours dire les gens qui assassiné président Jovenel Moïse, c'est eux-mêmes qui font quitter Haïti dans façon qui était là. Les gens qui assassiné président Jovenel Moïse, c'est eux-mêmes qui mettent Haïti dans l'état où mettez là qu'on pas qu'à tourner. Ça veut dire que responsabilité ou c'est ou pour prendre suspendement des blancs vient de ou suspend responsabiliser blancs, mais faut que nous connaissons nous comme haïtiens qui premier problème là et c'est nous mêmes qui gagne véritable solution en main nous même nous en pile. C'est toujours un plaisir oui pour que on ensemble pour que ensemble avec ou sur plateforme ça pour nous faire parler pays qu'embé là. J'aime toujours dire bataille pays pas contre facile, mais c'est toujours monde qui gagne sens de responsabilité, monde qui remet monde qui remet pays ou remet patrie ou remet drapeau comme aujourd'hui en 18 mai. Malheureusement m'ba hypocrite. Si je dis que je campe là, je fête, je célèbre, je pète champagne, ce n'est pas moi. D'ailleurs, tout le monde connaît que je suis un grand homme, c'est paysan. Je suis premier homme dans le pays. Mais je dis que je suis dans le pays. Et pour me tourner, la seule façon pour me tourner, je ne vais pas tourner avec M. Ça, continuer à respirer dans le pays. Bataille pour nous faire, c'est faciliter. Nèg sa yo, suspendre respirer pour que vous-même, comme peuple, avec de nouvelles têtes, venez respirer pour payer ça capable de l'en souffle. Que bon Dieu bénisse chaque grand homme qui t'attendait. Et gardez mission, moi, je m'en appelle.